Salut tout le monde, c'est Kira. On se retrouve sur Spider-Man pour la suite de l'aventure. On va directement se diriger au labo secret où se trouve certainement Martin Lee, puisque bah, Norman a été attaqué. Donc bon, ça peut être que lui. Bah voilà, comme je vous l'avais dit, il est là. Il vient de détruire l'hélicoptère de Norman et il va essayer de récupérer le souffle du diable. On a beaucoup plus d'informations maintenant. On sait pourquoi il déteste autant Norman. Et c'est compréhensible finalement. C'est compréhensible. Donc bon, écoutez, on va aider Martin Lee. Pas du tout. Oh, mais il est tellement puissant en vrai. Formidable. Donc là, il n'y a plus de super vilain. Hein. À part Mister Négative, c'est le dernier. C'est le dernier. Bon, je dois m'occuper de ces démons. Éliminer les démons. Dans le labo. Je vais on va avoir pas mal de choses à faire. Hop, on va se placer directement ici. Et on va essayer de tuer toutes ces personnes. C'est parti. Les dodos. Ah, tu m'as vu? Bon, écoutez. Je voulais partir infiltration. Je crois que ça ne se fera pas. Le mec, il s'en fout, en fait. Pas du tout. Hop, esquive. Allez. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux ça? Tiens. Ah, là, c'est pour toi. Alors, on va essayer de... Oula. Oula, là, j'ai pris tellement cher, là. La vache. Normalement on aurait dû partir infiltration, mais apparemment j'ai pas trop envie. Salut. T'as des snipers qui sont gênants finalement. Bah oui, mais je dois les tuer, tu m'as dit. Il me dit je dois pas perdre du temps avec ces démons. Tu m'as dit de les tuer. Salut. On va essayer de se soigner un maximum. Bam. Je retire jamais les armes des amis. Alors ça par contre c'était un peu compliqué. Salut. Oh merde, j'ai pas esquivé au bon moment en fait. Quand même pris les dégâts forcément. Non mais d'abord tuer ceux qui ont un bazooka. On voit plus grand chose hein. C'est normal. Salut. C'est passé à pas grand chose. Alors je vous rappelle qu'on a des gadgets. Quelque chose que je n'utilise pas actuellement. Alors que ça pourrait être fort utile. Salut. Toile de choc. Merci. C'est vrai qu'on peut enchaîner deux. On peut enchaîner deux combos. Hein. J'ai oublié. Maintenant que j'ai la compétence. Vénère lui. Salut. Il est où? Il en reste un, je crois. Salut. Il en reste. Non, il en reste deux. Donc il en reste encore un qui est en haut de l'immeuble, je crois. Ah oui, il est là. Salut. Je vais pas réussir à l'avoir. Oh, il me saoule. Oui, c'est à toi que je parle. Mais je suis nul. Tuez-le là. Tiens là, détruis-le. C'est bon. Ah voilà. Mais putain, c'est incroyable. Sable prend les choses au sérieux. Bon, ils vont pas me faire de cadeaux. Va y avoir du combat. Hein. Sans ça se voit qu'on s'approche de la fin du jeu. Bon, la dernière fois j'ai dit ça alors qu'on était. On était qu'à la prison. Mais là, je sais pas, je le sens. On l'a tellement détruit lui. Il a tellement pris cher. Tiens, attrapez ça. Si vous pouvez. Là, je peux réenchaîner sur le mec qui était en bas. Yes. Boom. Ah merde, c'est qu'au sol. C'est dommage que ça, je peux pas le faire en l'air. C'est toi que je vais faire descendre. Tiens.
Sérieux? Oulala, là 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 là, oulala. Si seulement Sable pouvait me lâcher la grappe. On pourrait bosser main dans la main. On va récupérer de la vie immédiatement. Allez, j'enchaîne sur l'autre directement. Ouais, là, lui. Merde. J'étais trop... Mais non, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'arrive? Je peux plus utiliser mes gadgets en plus, là. Heureusement qu'on a les combos, hein. Parce que clairement, ça nous aide beaucoup trop. T'es bugué. Ah. Juste au moment où je lui demande s'il est bugué. Oh mon dieu. Il est où? Il est là. Ouh. Démon et Sable hors jeu. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Très bien. Bon bah c'était du combat tout ça. On a réussi. Je le sentais mal parce que à chaque fois je... À chaque fois j'avais plus beaucoup de vie. Ah, je l'attendais ce combat. Je suis trop content, bordel, elle est là. Ça fait trop plaisir. Vraiment. Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee. Non, mais on s'affronte. J'ai envie qu'on s'affronte. Non, change pas d'avis. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu l'affronter. Bon, bah écoutez. Ça veut dire qu'on est cool? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Allez. Oh. Allez sauver Osborn. Je vais leur parler. Oh là 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 là, ça c'est une femme. Ça c'est une femme, okay. Avec des ambitions. Fini de courir. Alors trouvez Norman. C'est duré. C'est la folie ce truc. Je sais pas trop où aller, mais. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centre Fist. Faut descendre? Trouver Norman. Bah je vais descendre du coup. Je pense. On va éviter de toucher le sol. Là on peut passer ici. Je vais devoir piquer une tête. Bah let's go. Non, résiste. Oh non, on va repartir dans son monde de taré. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident. Tu es aussi insensible qu'Osborn. Mes parents sont morts à cause de moi, à cause de ce que m'a fait Osborn. Non mais du coup c'est pas de ta faute. Votre pas t'en vouloir à ce moment-là. Ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers, pour faire honneur à leur mémoire. Mais j'ai presque envie de me mettre du côté de Martin Lee, moi je vous le dis. Hein. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborn doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. Après, le souci, c'est est-ce que Osborn est responsable? Il a essayé quand même de le soigner parce que Martin Lee devait avoir une maladie également. Ah, je sais pas trop. À vrai dire, je sais pas trop. Oh. Cette démarche! C'est la douleur. Et la colère. Qui alimente son pouvoir. Va falloir lui enlever toute cette haine.
Un peu plus tôt. C'est le seul échantillon. Et ça ne va pas fonctionner, je suppose. Non! Non, Martin! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ah oui, donc c'était vraiment un peu plus tôt, quoi. C'était juste un Ça peu plus tôt. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez. Oh merde. Bon, bah écoutez, le combat final, ça m'a l'air d'être le combat final. C'est parti, on n'a pas trop de choix. Tiens, on va essayer de choper les objets. Attention, je peux reprendre encore un objet là. J'en ai vu un là. Ah, ça marche bien ça. Hop. Yes! On s'en sort bien pour l'instant. Oh là 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 là, les dégâts qu'on lui met dans la gueule! Yes! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Je te balance dans la gueule? Ça a pas l'air par contre. Les gadgets servent un peu à rien. Il y a encore des écrans à choper. Ouais, il faut lui balancer des objets en pleine gueule. Ça a l'air de bien marcher. Oh là là, mais on lui met tellement cher! Non, j'avais pas perdu de vie. Ce n'est pas vous. Exactement. Non, 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 tu sais pas. T'es juste énervé, t'as perdu tes parents. Oh mais, je comprends ta haine. Mais, va falloir quand même que je t'élimine, désolé. Je comprends ta haine. Spidey comprend ta haine. Tiens. Allez. Reviens à la raison, bordel! J'ai pas envie de te tuer! En vrai, ça m'énerve! Parce que j'ai envie de sauver Martin Lee, parce que c'est tellement triste son histoire. En même temps, après, c'est pas à nous de faire justice, donc. C'est sûr que. C'est sûr qu'Osborne, il mérite de se prendre des gros coups dans la gueule. Par contre, là, je comprends pas, j'arrive pas à le. Ah non! Il est beaucoup plus fort là par contre, je vais peut-être mourir, c'est possible. On va essayer de choper des objets. Yes, c'est bon, on l'a eu. Yes. Allez. Évacue cette haine. Vous pouvez vous en sortir. Non. Si. Oh. Excusez-moi. Bon. C'est beau, c'est ultra beau. Oh, il est derrière. Ça doit être la dernière phase, je pense. Mais oui, qui peut. Oh là 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 là. Yes, on l'a eu. Non, mais ah mais non, mais y a, en fait, il y a des ennemis qui gênent, du coup, c'est chiant. Est-ce qu'on peut choper d'autres objets? Y'a pas d'autres objets à choper. Merde, ça c'est chiant à esquiver. Non. Je pense que je dois choper encore d'autres objets. Y'en a pas? Mais je vois pas comment faire là. Y'a pas d'autres objets. Ça, c'est un gros démon. On recule. Méchant le démon. Méchant le démon. Ah oui, donc là il fait apparaître des objets du coup qu'on va pouvoir utiliser. Non, là je pouvais aller vers lui. Osborne et toi partagerez le même tombeau.
S'il te plaît, mec. C'est pas qui je suis en fait. Yes. On recule. Non, t'as détruit un objet. Vas-y, fous le bordel avec ton démon. Moi ça m'arrange. Ça m'arrange. Ah merde, encore. Ça va, c'est facile à esquiver en vrai, y'a pas de grosses difficultés. Boum. Yes, c'est propre. Tout ça sera bientôt terminé. Non. Ouais, je touche du bois. On va attendre qu'il refasse son démon parce que là on a plus d'objets. Ah si, on a des objets encore. Tiens, pour toi. J'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment vraiment beaucoup. On l'a. Allez, sors-moi cette haine de ton cœur. Ah, moi je suis à fond. Hein. Moi je veux vraiment l'aider, hein, je vous le dis. Hein. Pas abandonner. Après, il restera à aider Otto aussi parce que Otto n'est pas encore. Ça, c'est ce qu'on va voir. N'est pas encore battu, vous en rappelez. Ah oui. Que Spidey s'en veut encore énormément pour Otto. Ah, il y a trop d'ennemis. Bah, je vais pas. Faudrait faire des combos sur des petits ennemis comme ça. Des petits ennemis comme ça, ça sert un peu à rien, je trouve. Il faut les détruire. Si on veut lui balancer des objets sur lui, on est obligé de les détruire. Oh là là, mais il y a combien d'ennemis? Bah, attendez, il en fait réapparaître à l'infini en fait. Est-ce que je peux le toucher? Yes! Ça c'est propre. Non. Encore un objet. Ah, dégagez-moi tout ça là. Putain. Yes, vas-y. Oh oui. Allez, en plein dedans. Et voilà. Je pense que c'est bon. Oh mais... possible. Ça va pas être facile cette scène pour les épileptiques. Vu le nombre de flashs qu'il y a. Payer. Je sais. Mais pas de cette façon, Martin. Malheureusement, Martin, lui, il va prendre perpète. Vu le dégât qu'il a fait. Alors qu'Osborne, lui, il aura rien. Tranquille. Voilà, je. Ah ben voilà, tiens, en parlant d'Otto. C'était bien le dernier qui restait. Est-ce qu'on va pouvoir le raisonner, lui? Oh. Oh non. Non! Franchement, le mieux c'est d'enlever son masque. Dis-le que t'es Peter. Si tu dis que t'es Peter, il va peut-être reprendre. Retrouver la raison. Oh merde. On a bien fait de mettre le costume en armure. Ouais, l'Iron Speeder c'est pas mal. Parce que là, s'il avait seulement le costume en tissu, il aurait juste été mort depuis longtemps. Otto? Tu en fais une tête.
si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Réveille-toi, Peter. Où est Otto ? Parti. Il y a plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. J'ai peur de l'hôpital. Pas l'hôpital, j'ai peur. Très bien, et bah écoutez, pas mal. Donc là, il nous reste du coup à détruire Otto. Enfin, détruire. Oui, bah si on n'a pas le choix. Et récupérer le GH27. Et récupérer Norman aussi. Puisque Otto l'a emmené. Ça fait plaisir, on a réussi à sauver Martin Lee. Comme je vous l'ai dit, il va certainement se prendre prison à perpète, mais bon. Je veux parler au médecin en chef. Il n'y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre ? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants, de tout ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh mon Dieu. On dirait qu'ils ont rien fait. Ils ont même pas enlevé son costume. Ça va. Mais vous avez pas enlevé son costume. Vous avez rien fait. Arrêtez. Je sais, vous avez rien fait. Il veut y retourner, lui. Ouais, forcément. Vas-y doucement. Où est May ? Elle est pas là ? Tu... Oh non... Du coup, elle est malade, elle a été touchée aussi par le... Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Oh non... Où est-ce que tu vas ? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai ? Alors il doit connaître leurs points faibles. Mais c'est vrai, en fait. Peter peut m'aider. Mais attends, mais... Allez, champion, vas-y. C'est quoi cette merde ? Non, mais... Non mais c'est quoi c'est... Non mais allez là ! Qu'est-ce qui va se passer avec cette araignée ? Voyons voir. Ok, Miles qui se fait piquer par une araignée. Très bien. Et qui devient Spidey. Parce que dans un univers alternatif, eh bah Miles et Spider-Man. Non. Aïe ! Oh excellent. Très bien. Eh ben écoutez, on sent le truc arriver, il va venir nous aider. C'est cool en vrai, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup, moi j'ai été à moitié spoil finalement. Puisque... Alors, je le savais pas, mais je savais que dans les comics, du coup, Miles était un Spider-Man dans un univers alternatif. Après que Spidey soit mort en fait par le bouffon vert. Parce que normalement, c'est comme ça. Enfin, normalement. J'ai plein de possibilités, j'ai envie de dire. Alors, allez au labo, on a des compétences, on a 2 points de compétences. Je vais continuer dans le... ici, manière 2, tout en courant. Ouais, bon, ça va pas me servir en combat, mais c'est pas grave. Il me reste un point que je vais positionner ici. Appuyez sur carré, maintenez triangle pour saisir un ennemi et le projeter. J'ai conçu l'interface. Tenue.
encore avoir des nouvelles tenues, même pas. Est-ce qu'on a de nouveaux modes de tenue? Je pense pas qu'on ait, ait les points pour débloquer de nouveaux modes de tenue, non, c'est pas possible. Non, ok, c'est parti. Attends de pouvoir la détruire. Il y a certainement tout ce qu'il faut pour ça. Bon allez, écoutez, vu qu'on arrive certainement vers la fin du jeu, on va remettre le costume de base. Celui que vous aimez tant. Bah c'est celui, hein. C'est celui-là, le costume classique de Spidey. Bon, après on peut prendre le nouveau aussi. Non, le classique, tiens. Allez, on va prendre le classique. Pour la fin. C'est parti. Et je vais prendre le pouvoir, clairement je préfère ce pouvoir-là en fait. Pas le leur, explosion de toile, je trouve ça tellement fort. Let's go. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter de me tirer des lance-roquettes. Mais c'est encore les soldats de sable, comment ça se fait? Ils devraient plus me tirer dessus normalement. Ou alors c'est des malfrats? Ah non, c'est encore les démons. Ah, c'est les démons plutôt. Parce que si c'est les soldats de sable qui me tirent dessus, c'est pas du tout logique puisque... Bah voilà, puisque Silver Sable m'aide. Je quitte New York. Ah. Merde, je crois que vous allez me manquer, vous et vos troupes de la mort. Hélas, les troupes de la mort restent. Contrairement à moi, ils ne se posent pas de questions. Et Osborne continue à payer. Désolé. Ça a failli être une bonne nouvelle. Je sais. Vous et vos traits d'esprit me manqueraient, Spider-Man. J'espère qu'on se reverra. Cette femme est vraiment bizarre. Avertissement, c'est votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. Ah oui, d'accord, il nous dit ça comme ça, c'est la fin de l'histoire. Très bien, et eh ben écoutez, allons-y. Comme ça, voilà, vous... voilà, c'est votre dernière chance. C'est votre dernière chance, après c'est fini, voilà. Voilà, c'est la fin, voilà. Voilà. Moi qui m'attendais encore à 5 heures de jeu, non, c'est la fin. Pas du tout. Eh, pourquoi il a ce costume-là alors que je lui ai pas mis ce costume-là? C'est pas normal. On a fait un miracle, docteur. Et maintenant, je dois le détruire. Eh oui. Avec une de mes petites créations. Oh là là. Bon, ça servait à rien de changer de costume finalement, puisque regardez ce qu'on a. Excellent. L'araignée noire. Oh, elle fait tellement vénère comme ça. T'es devenu un super vilain. Ça, c'est un costume de super vilain. C'est pas un costume de super gentil, non. C'est un costume de super vilain, je suis désolé. C'est tellement agressif. Le jaune et le noir. Une veuve noire. Ok. Une fois de plus, nous avons des images du maire Osborne en direct, retenu en otage sur le toit de la grosse corde. Tu veux que je te supplie? C'est hors de question. Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Dis-leur ce que tu as fait. Jamais. Toute ta vie repose sur des mensonges. Des mensonges. Tu as volé ma société, mes idées. Dis-leur la vérité. La vérité. D'accord. Tu vas pas le dire. La vérité. Ah oui, regarde. C'est que depuis que tu ne travailles plus pour voilà. Moi, tu ne vaux plus rien. La vérité, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi. Tu es minable, Otto. Et ça ne changera jamais. Ah!
Le meilleur des super-héros. Bon, Miles, hein, qui va nous aider pendant le combat, certainement. Otto, votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes d'adversaire. Mais c'est ton choix. Tu qu'il est pas content, les messieurs. Bon, bah écoutez, c'est parti. D'accord. Ok. Tiens. Je rendrai l'antisérum quand Osborn aura payé. Tiens. Tu veux que... Oui, d'accord, 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 mec, d'accord, ok. Attends, attends, laisse-moi partir. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des toiles électriques. Je pense que les toiles électriques, c'est très bien. Non. Ok, activer le pouvoir de la tenue pour recharger les gadgets en continu. Mais attendez, mais... Vous avez fait assez de dégâts pour ruiner Osborn. Mais il est trop fort. Attendez, je peux même pas... Je veux qu'il perde tout ce qu'il a. Bon, on va essayer de se concentrer. En fait, faut récupérer. Et là, je peux aller le taper ou pas? Ok, bon, on peut pas aller le taper. Ça sert à rien d'essayer d'aller le taper. Alors, les gadgets servent forcément à quelque chose. Puisque on a une super capacité. Voilà, donc les gadgets sont ultra utiles. Je connais vos points faibles. Je n'ai aucun point faible. Ouais, c'est ça, ouais. On a quoi d'autre comme gadget? Toile de choc. On va essayer d'utiliser. On peut pas trop se balancer en fait, c'est difficile. Bah, ça a fonctionné ça. Tu me fais perdre. Tiens. C'est bon là. Ça a l'air de... Je pense que ça fonctionne un peu. Je crois. C'est bon. Bam. Yes, c'est pour ça qu'on a ce costume du coup. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, c'est... D'accord, c'est normal. Ok. On va faire pareil. Tiens. Elle a réussi quand même à esquiver, hein. Beau gosse, hein. Tiens. J'essaie juste de vous aider. Alors, on va reprendre encore le gadget. C'est bon. Oh, bordel, il est solide. C'est à vous que vous faites du mal. Ok, et on va ensuite réinitialiser. Yes. On est plutôt bien là. Ce qui est bien, c'est que la concentration sur les boss, on peut vraiment l'utiliser uniquement pour récupérer de la vie. Donc là, on va activer son pouvoir. Ah mais non, mais d'accord, c'est sur le pouvoir uniquement sur celui auquel... Sur celui... Bah attendez, je comprends pas. Si, c'est ça. C'est bon. Yes. On va la voir, hein. Solide. Il balance plus rien. Ah si. Moi m'essouffler. Tu rêves. Donnez-moi le sérum et je vous promets que Osborn sera jugé. Bah c'est super long parce que on est toujours, en fait on est toujours sur la même phase là depuis tout à l'heure, hein. Ça n'a pas changé, hein. Quoi? Faut lui faire un combo. C'est bizarre. Non 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 non, je suis bloqué. Je suis bloqué. Dites-moi où est passé l'homme qui voulait aider les autres. Ce loser. Ce loser. Allez. Attendez, là, c'est le dernier coup. C'est bon là. Ah, toujours pas. Si, c'est bon. Vite. Miles, s'il te plaît, viens m'aider. On sait très bien, Miles, que tu vas arriver dans quelques temps.
J'essaie de voir son costume et tout ça, mais non, il aura même pas de costume en fait. Il va arriver en mode. Mode tranquillou. Qu'est-ce que tu. Yes. Je suis tellement déçu. Parker. Hein? Il savait déjà? Vous le saviez? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez? Je te laisserai pas gagner. Je savais que c'était Peter depuis le début. C'est bien trop important pour moi. Encore plus pour moi. Encore plus. C'est abusé. Oh là là. Tu ne comprendras jamais. Tu n'as pas souffert. Ouais, c'est ça. J'ai pas souffert moi. OK, esquive. Est-ce qu'on peut aller le taper? Yes. Tu devrais être dans mon camp. Je l'étais. Mais il doit tellement se sentir trahi là, Peter. Ça doit être vraiment horrible depuis le début. Encore s'il savait pas, bon. Tu dis OK. Mais là, il savait depuis le début que Spider-Man c'était Peter et il a pas hésité. Oh, c'est horrible. Je trouve ça horrible en vrai. En fait, je trouve ça horrible surtout pour Peter. Ça va tellement lui faire mal au cœur tout ça. C'est bon? Tiens, tiens. Allez, on va la voir, on va la voir. C'est pas grave. C'est pas grave, pas besoin de toile. Ok, faut le reculer, faut le. Tu vas reculer. Cet homme n'est plus. Tu ne peux pas me sauver, Peter. Dans ce cas, vous devrez vous sauver tout seul. J'ai des frissons. C'est clairement un des meilleurs jeux Spider-Man hein, qu'on ait pu voir depuis. Bah non mais de même pas en fait, je pense que c'est le meilleur jeu Spider-Man qu'on ait pu voir depuis tout le temps quoi, il n'y a jamais eu mieux. Soit l'histoire, soit les personnages, soit les graphismes. C'est incroyable. Merde, 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 merde. Ah par contre, il n'y a pas de barre de vie, mais on a quand même de la vie cachée donc. À faire gaffe, à pas mourir, ce serait dommage de gâcher cette scène totalement épique. Ok. Tu as l'air fatigué, Parker. Oh, il a fatigué. Tellement une tête de fou sans ses lunettes. Juste meurtri. Vas-y, bute-le, François Hollande. Bute François Hollande, Spidey. À mort, François. Non. Changer le monde. Allez, Miles. Tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis entièrement d'accord. Allez. Peter,
Tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir ? Mais... Trahir ? Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination ! C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité, de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux, pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux ! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être ! Et vous avez tout gâché ! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Mais ensemble. Oui, bien sûr. Il faut que tu m'aides. Mais oui, bien sûr, Peter va t'aider. Je vous trouverai de l'aide. Pas du tout. Parmi les meilleurs médecins. Non ! Bah si. S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras. Ah, je serai piégé dans ce corps inutile. Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Je te souviens. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Il est sérieux ? Donc c'est une menace. Ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. T'aurais jamais dû dire ça. C'est ce qui a bousillé ton même truc. Quand ça nous fait du mal. Peter, ce qui a bousillé ton discours. Peter, ça aurait pu passer. Peter, ça aurait pu passer. Mais la dernière phrase, t'aurais dû jamais la dire. Tellement con. Bah écoutez, incroyable. Je pense que là, du coup, on a fini le jeu. On n'a pas vu Miles. Je pense qu'on va le voir à la fin. Du coup, il va certainement remplacer. Je pense qu'en fait, il va remplacer Peter. Puisque maintenant, tout le monde va savoir que. Que Peter c'est Spidey. Et donc je pense que c'est ce qui va se passer. Certainement. Mais je pensais que Miles allait nous aider en fait. Ça aurait été cool. Il est viable. Mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de choses. Est-ce que ce sera long? Quelques heures. Une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant? Il ne resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Enlève ce masque. Je veux voir mon neveu. Tu savais ? Depuis longtemps déjà. Ah oui, elle aussi, du coup. Je l'ai été. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Ouais.
soit pas trop facile hein, de choisir entre sauver toutes les autres personnes et de choisir sa tante. Mais bon. En tant que Spider-Man, je pense que c'est le meilleur choix. Logique. Logique, logique. Oh, avec le bruit de... Oh. Ils ont décidé du coup d'ouvrir des stations pour distribuer des antisérums un peu partout dans la ville. Bah finalement ça se finit plutôt mal en vrai. Pour tout le monde. Et ce qui est bien du coup, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grands méchants. Et ça c'est cool. Parce que tout le monde était gentil en soi. Après vous allez me dire, bah, les méchants ils ont toujours leur raison hein, d'être méchants. Ça arrive jamais comme ça. Mais là on apprécie un peu tout le monde en fait. Sauf Norman, je pense que celui qu'on déteste le plus ce serait Norman finalement. Parce que même s'il a pas fait de dégâts dans la ville, même s'il a pas été... Il a pas vraiment été un super... Enfin il a fait si, là, du coup avec son souffle du diable il a fait du dégât, mais bon c'est pas lui qui l'a... Là, du coup, libéré dans la ville. Otto en prison, certainement à vie, je pense. Enfin, je suppose. Ça veut dire quoi ce regard, Otto? Ça veut dire que tu vas sortir de prison pour aller. Pour aller tuer Spidey? Tu veux revenir? C'est ça, Otto? Je l'ai vu dans ton regard. Alors? Salut, Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Hey, bravo. Merci. Je savais que tu y arriverais. Et toi alors, t'as trouvé un job? Non, mais... Je suis à vous tout de suite, merci. J'envisage sérieusement de changer de branche. Mmh? Ouais, je crois que je vais devenir cuisinier. Désolée, c'est que... C'était que tes plats étaient dégueulasses. Tu es un scientifique, et tu es doué. Alors tu utilises la science pour la cuisine. Dans lequel j'ai travaillé à créer un monstre à huit pattes qui a failli détruire la ville. Alors. Ouais. Et puis, ton poulet au curry est digne d'un restaurant. C'est clair. Et je travaille encore mes boulettes. Tu vas camper? Ah non, mon nouvel appart sera pas prêt avant une semaine, alors je vais squatter chez Miles quelques nuits. Ah. Oh. Sinon. Tu peux aussi dormir chez moi. Enfin, si tu veux. Eh hey. Non, enfin je veux dire oui. Oui, parce oui, que oui, oui, tu veux. Je dis pas que oui. J'ai pas envie hein. En ferme fait, ta gueule. Ça super. Oui. Tu veux bien? Non non, elle te demande juste j'en comme ai ça. J'ai toujours hein. Eu envie. Oh. Ça va Ken comme jamais. Oui. Eh oui. Fallait bien que ça arrive. Eh bah écoutez, ah bah ça se finit bien quand même par... Ouais, c'est la seule chose finalement qui nous donne envie de dire ça se finit bien. Tu vois? Ils vont ken toute la nuit et ça c'est formidable. Avec un générique tout à fait sublime. Eh bah écoutez, je pense qu'on est tous d'accord. C'est le meilleur jeu Spider-Man qu'on ait pu voir depuis tout le temps. Il n'y a jamais eu mieux. Clairement, ils ont réussi à faire le meilleur jeu, Spider-Man. Et en plus, il s'appelle pas Spider-Man 3, 4, Infinity, Ultime, etc. Il s'appelle Spider-Man, le jeu. Ils ont réussi à mettre des super méchants. Ils ont réussi à faire une histoire intéressante. Ils ont réussi à mettre les personnages principaux de la saga. Enfin, du comics. Et je trouve ça cool. C'est formidable. Et en plus, c'est trop bien. Trop bien. Bah écoutez, est-ce qu'il y a une scène après? Est-ce qu'on peut passer par hasard? On va passer le générique pour voir s'il y a quelque chose après. Voilà. On sait jamais, on va voir. Je suis pas expert en la matière, mais c'est peut-être ta façon de lui demander. C'est Marvel donc. Je crois que je suis trop nerveux. Bon, où est-ce que tu veux qu'on mette ça?
Ce sera très bien ici. Ok. Peter ? Ouais ? Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute ? Je suis Spider-Man. En fait, il m'arrive des trucs bizarres. Genre physiquement. Ah. Ah ! Oui. Il va comprendre autre chose. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Et donc, tu as dû remarquer que... Eh bien, par moi, tu... Pas ça. Montre-lui. Je crois qu'il vaut mieux que je te montre. Ouais, je vais te montrer. Non. Tu trouves pas ça bizarre? Oh là 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 là. Pas tant que ça. Du coup, il y a deux Spider-Man maintenant dans la ville. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, est-ce qu'on a encore un générique après l'autre générique? C'est jamais. Il va falloir aller jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de la chose. Au moins, on aura terminé le jeu. Et ce sera terminé. Encore. Comme quoi? C'est quoi? Attendez, je comprends pas. Je trouverai un remède. Mais attendez, c'est qui? Mais c'est... Je te le jure. C'est Harry? Je t'aime, mon fils. Il garde son fils. Incroyable. C'est quoi? C'est Venom? Non, le Harry, c'est pas Venom. Attendez. Parce que moi, je connais rien. Non, j'ai n'importe quoi. Ah si, c'est bien ça. Harry, c'est Venom. D'ailleurs, il y a un film qui sort sur Venom dans pas longtemps. Mais c'est trop bien. Non, mais en vrai, c'est trop bien. Ils ont réussi à lier plein de trucs. Oh non mais franchement bravo parce que là, clairement bravo, bah oui bah bravo, c'est à moi de vous dire bravo parce que, non mais c'est trop fort. Bah oui, Harry et Venom, c'est vrai, Harry et Venom, et donc par la suite, on passe sur Venom. Oh, ce serait trop cool qu'il fasse un, ouais non faut pas gâcher, parce qu'ils pourraient faire un autre jeu du coup, ils ont très bien réussi celui-là, et passer du coup avec Venom et tout. C'est pour ça ensuite Venom... Ah, c'est trop bien fait. Bon, enfin bref, bravo, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais modifier l'heure de la journée dans les stations de recherche. Très bien. Et ben voilà, on a terminé du coup l'aventure sur Spider-Man. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bon, je suis pas monté en haut de la tour des Avengers, mais on s'en fout un peu. Voilà, c'est vrai que ça, je l'ai pas fait. Le principal, c'est qu'on ait terminé toute l'histoire, et c'était vraiment un gros plaisir de faire ce Let's Play. J'ai vraiment énormément aimé, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, j'ai beaucoup aimé. Donc le jeu était vraiment trop cool. Moi je vais continuer l'aventure en essayant de faire un maximum d'objectifs. Je vais essayer de finir le jeu à 100% de toute façon. Je sais qu'il y a certains youtubeurs qui continuent le jeu après la fin. Moi je vais pas le faire parce que mon but c'est toujours de faire les histoires principales sur les jeux et m'arrêter par la suite. Parce qu'après je trouve ça ennuyant de faire toutes les quêtes annexes etc. Surtout en vidéo. Donc voilà, bah écoutez, ce fut incroyablement cool. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à lâcher tous vos commentaires. Parce que clairement, j'ai plein de choses à lire. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai du temps, donc allez-y. Bourrez les commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Salut.